Ouais, écoute, je débarque. Ça représente bien l'évolution du poste. Donc la première marque, c'est la jument des Glénans, pas loin de la maison, donc à laisser à Tribord. Ensuite, ça sera route vers le Ratzin. Signal préparatoire dans 5, 4, 3, 2, 1, stop. Les bateaux sont en place. 30 secondes. C'est parti, mais j'arrive pas à accélérer avec des fous de SBR. Surveillez Gitana dessous. Ouais, je vois. Ça borde, tout ce que tu peux tirer. 5, 4, 3, 2, 1. Dessous. 1, 3. Ok, gaffe, il est plus haut que toi. Ouais, je te vois. T'es bien avec Gitanab. Ok. La vol derrière. Pop qui arrive au-dessus. Premier caillou, non, ça passe là où est nous. Après, fais gaffe à ton escape, Thierry. Si ça part vraiment en gîte, faut quand même abattre. Faut pas me faire abattre, c'est génial. À bas, voilà, on roule. Encore un 160 du vent. On est juste au sud de la chaussée de Saint. On passe à l'extérieur au large. On en panne dans quelques minutes. Et on va se retrouver sur notre nouveau foil. On est curieux de faire la comparaison entre les deux. On va jusqu'à un waypoint fictif proche de Ouessant, on va dire. Et sera à bâbord et on repartira au près. Rapide à 60 km pour l'instant. Pour checker des coudes. Et c'est ça l'ultime. 170. 170. 170. Pour l'instant, on est content. Notre manœuvre de rouler de Jenag, de la Falaise, de nouer les lignes aussi, on approche de Marc. Waypoint, région Bretagne. Maintenant, direction Waypoint, Morbihan. On a pris un espèce de nuage là, et puis là c'est de la molle, donc beaucoup de vent et dans la direction opposée du vent qu'on attendait. Donc, Ah bon, on s'est fait croquer par une belle molle qui nous poursuivait. Ça nous a fait perdre forcément énormément de terrain. Mais on s'est battu pour s'en sortir et pour l'instant on a encore un petit peu de vent. En espérant que ça tienne pour passer la ligne d'arrivée. Ce qui n'est pas gagné. Encore 3 nœuds de vent. On avance à 5 nœuds 2. Et il y a les dauphins. Ils sont encore beaux, mais on va dans la grisaille.
pointe ouest de Groix, l'île de Groix. Combien de temps? C'est pas loin. 2006. Plié dans 50 minutes. Ah mais c'était dans une heure tout à l'heure la pointe là. Maintenant c'est bon, c'est la ligne d'arrivée qui est dans une heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé le Arneux. On est à 127 mètres. Alors, on va moins vite qu'un marcheur. On fait 600 mètres en une heure. J'ai l'impression quand je vois 0,7 nœuds, j'ai l'impression qu'on a 7 nœuds maintenant. On est en train de se faire aspirer par le courant, mec. C'est vrai? Ouais. On va arriver à louffer. Là, si on la passe pas, on est reparti pour 2 heures. Ah, je suis bien. Désolé. Pour l'arrivée de Actual, 10h03. Bravo à votre course quand même pour la pugnacité. Des pizzas.